Salut les gars, c'est Mani. Aujourd'hui, on va tester le Funcross. Là, il est en 12S. On a le plus petit rapport possible avec le 750 kV. L'idéal pour moi, ce serait là-dedans le 550 kV. On lui a mis des jolis pneus à crampons bien méchants qui donnent un méchant look. Mais on va quand même vite faire un speedrun d'abord sur le goudron, voir ce que ça dit. Attention, Jérôme. Bon, on va aller voir ce qu'il dit, le GPS. Ça va? C'est cool, hein? À moins que c'est 16. 91, je sais pas si vous le voyez là, les mecs. Bon, allez, faut roder ces pneus. Faut que je retrouve la touche de mon minuteur. Je sais plus où mettre en route mon minuteur. C'est bon, j'ai trouvé. Non, c'est la direction. Heureusement que c'était pas les gaz. C'est parti. Alors, tu viens avec ton petit X-Max? C'est bon, je te suis mi-gaz. Ouais, mais moi, le but, c'est pas qu'il aille aussi vite, justement. J'aimerais bien un rapport plus court, tu vois. Rester dans les 70 en 12S, tu vois. Hey, t'as vu l'accélération? Attends, on se la refait. Regarde. Mais tu vois, tu es témoin sur la radio, c'est écrit Flimo. C'est écrit Flimo. Ah, ça vaut peut-être le coup de faire un petit speedrun sur la pelouse aussi. Hein. Parce que peut-être il va plus vite sur la pelouse avec le. Ouais. Testons ça. On remet à zéro. Oh, je la fais où la longueur? Par là, hein, ça sera mieux. Sur Jérôme, je vais revenir en sens inverse. De là-bas? Non, de là. Parce que là, il y a la saloperie de boss au fin à chaque fois. C'est celle-là qui m'a envoyé valdinguer le débit, celle. Quelqu'un a compté le temps pour traverser? Je crois que c'était pas plus de 2 secondes. Ah, ça va, 78. Ouais, mais après, t'as les roues qui décollent, tu vois. Tu perds un peu de. Oh, quoi qu'on peut le laisser en 12S, je crois. On peut le laisser comme ça. Il est bien, là. Ah, faut pas hésiter au bout, hein, t'es mort. Hein. Ouais, 78, mais ça suffit. C'est bon alors, je peux laisser en 12. Bah non, après sinon le rapport est trop long. J'aurais bien aimé un petit 70 en 12S, tu vois. Parce que là, le moteur, à mon avis, il va chauffer méchant là. Parce que déjà en 8S, j'étais assez. Bah, c'est le même moteur où t'avais les coucous. Ouais, avec les grosses roues justement. Avec les petites roues, ça allait mieux, mais là, on a des méchants pneus à crampons donc. Bon, par contre, la conduite, elle est 10 fois mieux acceptée. Hein. T'en as deux, on fout déjà la merde.
trop bien avec ça, ça se retourne pas quand tu brasses. Pas comme l'idée. Et encore, hein, c'est. Moi je lâche les gaz, regarde jusqu'où je vais. C'est là où ils se font en grosse échelle brushless, les mecs, ils restent gaz, tu vois. Là, je mets un coup de gaz et je laisse filer, regarde. T'as vu? Tu mets 2 secondes de gaz, ça suffit. Tu vois, pour la prairie, il est bien ce petit fun cross. Bon, tu nous fais pas que des ovales, hein. Hey, dommage, je pensais qu'il avait. Ça marche encore mieux qu'avec les trucs. Bah oui, il est tout bas. Donc je te pose sur le pare-choc et ça te remonte. Oh putain, j'ai marche arrière, regarde, ça c'est un drôle de thermique. Même le bruit. Même en marche arrière, la marche arrière, et ça c'est 25%. Hein. Ah, ça y est. Bon, bah, je vais finir mon pack alors. Je fais des rounds d'omelette. Je disais, mec, il allait moins vite. Ah, le coup fatal FG. C'est reparti. Ah, si j'atteins un petit quart d'heure, je suis content. Mi-gaz, tranquillou.
Alors ces pneus sont vraiment excellents. C'est vraiment dommage que on n'arrive pas à réduire plus le rapport de transmission. Un mi-gaz là, la vitesse me suffit large en 12S. Évidemment un mi-gaz, hein, on peut prolonger facilement à 30-40% la durée de vie du pack. Il faudra refaire quelques petits runs sans dépasser les gaz, ou alors carrément brider sur la radio. À rouler bien sûr avec les autres, comme ça on est dans le paquet. Évidemment, avec une vitesse pareille. On lamine les lipos, c'est sûr. Voilà, on se calme. On n'a pas de ventilo sur le moteur et là en 12S évidemment avec des tours minutes pareil on chauffe. Ça va faire cool. Bon, il y a de quoi atteindre les 15-20 minutes en 5000, ça va. Mais vraiment un rapport plus court serait top. On a un petit 70 de pointe avec du 12S là, on serait tranquille pour rouler un quart d'heure, 20 minutes dans le nez. C'est plus sympa que de devoir faire gaffe à ces gaz. Alors. Wouhou! 90 degrés le moteur. Tiens les lipos. Ah, les lipos sont pépères. L'hypo, on est à ouais, une trentaine de degrés. Allez, on va vite les checker. Histoire de voir où on en est. Alors, si je veux rester en 12S, il faudrait mettre un moteur plus gros, en fait, qui ait plus de couple, qui tourne moins vite. Peut-être sortir le moteur du Rebel, le 550 kV, qui n'est pas plus gros, mais qui a moins de tours, qui sera peut-être bien mieux à l'aise. Et on va remettre celui-là dans mon X-Max 12S. L'hypo tranquille à 3,70. On a une coupure assez élevée sur le Vario pour être sûr. Voilà, donc moi je suis content. J'ai juste comme dit un autre rapport avec ce, on sait très bien, mais ça va pas. Donc on va effectivement mettre moins de kV sur le moteur et rester comme ça. Une vitesse acceptable et une meilleure autonomie, et puis on force pas sur les lipos, c'est génial, j'adore ça. Pourtant c'est pas des lipos de super qualité, c'est clair. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche.